sommes au village de Kompoktchok sur le Tonle Sap, à côté de Siem Reap. Nous sommes le 13 juin et c'est le moment de l'année où le niveau de l'eau est au plus bas. Après, l'eau va monter à partir de maintenant, d'environ d'une dizaine de mètres. Donc, au mois de novembre, ça sera 10 mètres plus haut. Et ça va arriver au niveau de, du plancher des maisons, là, 50 cm au-dessus du plancher. On va arriver sur le lac Tonle Sap, un peu plus loin. Il y a un bateau qui prend l'eau là. Voilà, donc le repas du midi, ici. Donc, sympa. La cour des tables derrière. Et nous, on mange ici. Bon, on a fini de manger. On fait la sieste. On fait une petite sieste dans la hamac. Ouais, vous verrez que mes pieds, mes vieux pieds. Voilà, la table est vide. Alors, on a mangé quoi? On a mangé du poulet, on a mangé des cuisses de grenouille et une soupe. Voilà, la vie est belle. Voilà, donc on descend la cascade. Alors vous pouvez voir, il y a ben, le 15 juin. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous venez dans la haute saison, tout ça c'est plein, les gens. On repart des grenouilles. C'est la saison des grenouilles. Voilà. Et voilà, préparation de la farce à la grenouille. Mmh. Et si vous n'aimez pas les grenouilles, il y a des poissons. Oh là là, le bon poisson, que voilà. Voilà, on va manger par ici. Donc là, vous ne verrez pas beaucoup de touristes parce qu'on fait, comme on dit, hors des sentiers battus. Alors voilà, notre guide commande les plats. On va manger du sanglier, et eh oui, du sanglier. Plus, on va manger du poisson et des grenouilles. Et voilà, au bord de la cascade. On va se baigner et après, on va aller voir d'autres côtés. Qui sent la noisette? Bon, alors là, on est les petites cascades et on va descendre dans la cascade du bas. Ça y est, nous y voilà. Là, on est en bas. On peut se baigner. Pas de problème. Il fait beau. Oh, c'est sympa, mais. Ça essouffle, hein. Ouh. Voilà tout ce qu'il faut faire. Wow. Pour arriver là-bas à droite. Wow.
Voilà, nous sommes le 16 juin, c'est le matin. Et nous sommes à la ferme Lotus, à côté de Siem Reap. Voilà ce qu'est la ferme Lotus. Donc ce midi, nous mangeons à Battambang au restaurant qui s'appelle Nari Kitchen. Alors, ce restaurant, on met beaucoup de personnes qui viennent faire les circuits avec nous parce qu'il fait des cours de cuisine pour 10$ et on mange super bien. Donc, il y a, moi, je mange du poulet au gingembre, il y a du loclard, il y a tout un tas de trucs. Donc, voilà la déco, c'est super pour manger. Voilà, donc nous sommes entre Battambang et Phnom Penh, région de Kursat, Krakor, et on va visiter le village de Kampong Long, un village vietnamien d'environ 12 000 habitants, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus en dehors des sentiers battus au niveau des villages flottants. Nous sommes le 18, il est 8 juin, il est 10h30, 26 degrés, il a dû tomber quelques averses cette nuit. Il n'y a pas beaucoup de monde, on prépare notre bateau. On a fait caca là. Eh, pour pas faire caca là, pour aller dans le jardin. Bon voilà, donc top on flouk. Voilà notre bateau. Bateau 12 places. Là c'est... voilà, il y a un tour pour préparer les moteurs, tout ce qu'il faut, les mécaniciens. Allo chien. Ouais. Allo Sky. Oh, madame, elle va faire un vendre sur les légumes. On peut un peu percevoir l'église catholique. Et donc ce village là de Vietnamiens, ils sont tous catholiques. Là, donc il n'y a pas de temple, il n'y a pas de cela. C'est une église là-bas. Voilà, donc là on voit bien la statue, je crois que c'est la Vierge Marie, tout ça.
si mes souvenirs sont corrects. Aïe! Oh, voilà le chien! Nous, on va le dire en elle! On le petit, Le pilote nous dit à l'autre, pas doucement.